qu'ici à Avignon, on fait le nécessaire. On dit que c'est nos oignons, on en fait notre affaire. Il y a des éco-quartiers, jolis gens et bel air, où l'on joint volontiers social sur fond d'air vert. Wesh la qualité de l'eau, comment chauffer l'hiver? Prends plutôt ton vélo, j'ai une gueule d'atmosphère. Aime ton lieu de vie parbleu, parce qu'il n'y a pas que la misère. Aide la trame verte et bleue, fais péter les frontières. Cessons d'être bigleux, fraîchés dans le désert. Stop l'acide quand il pleut et les bronches au cimetière. Ici à Avignon, on fait le nécessaire. On dit que c'est nos oignons, on en fait notre affaire. Ne plus être tributaire d'industries polluaires qui sont les partenaires de la bourse tortionnaire. Posture des missionnaires qui laissent place aux chimères et manœuvres gestionnaires des gros propriétaires. Il faut plus qu'on enterre la question polluaire. Ne plus se laisser faire, faire preuve de caractère. Servir l'imaginaire de quelques visionnaires d'une terre humanitaire qui serait unitaire. Ici à Avignon, on fait le nécessaire. On dit que c'est nos oignons, on en fait notre affaire. Ici à Avignon, on fait le nécessaire. On dit que c'est notre affaire, on dit que c'est notre affaire. Tu es la gardienne de la rivière? Tu en sais des choses. Je te connais. Grand-mère m'a parlé de toi. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle a dit, grand-mère? Elle dit que tu attires les hommes avec un peignon or que tu jettes au bord de la rivière. Quand ils l'attrapent, ils se retrouvent piégés. Ensuite, tu les manges. Elle a raconté ça? Ils entrent dans la rivière de leur plein gré. Malheureusement, l'eau est si sale. Il y a tellement de déchets qu'ils se coincent les pieds dedans. Ils viennent pour chercher l'or. C'est idiot. Il suffirait de demander. Moi, tant de frénésie. Et ça me fait pleurer. Dès que j'en vois un les pieds pris dans un filet, c'est incontrôlable. Ça monte. Et après, il y a plein d'eau partout. Quel dommage que les hommes n'aient pas de nageoires. Wesh, wesh. Re-salut les popolionautes. Bon, la compagnie des cueilleurs de brume qui joue son spectacle La forêt des illusions à la chapelle du Ver Macarné à 13h35 nous conte la rencontre d'un enfant et d'un caïman blanc qui pense qu'il est foutu comme ça à cause des humains qui déversent des choses dans la rivière. Elle nous sensibilise ainsi de façon onirique à cette plaine moderne qu'est la pollution. C'est pourquoi il ne faut jamais oublier que c'est par des petits gestes éco-responsables quotidiens que la patrie des droits de l'homme pourrait devenir la terre happy du tri. Et pour y parvenir plus aisément, je vous invite à pousser avec moi mon cri-cri de guerre. One, two, three, le tri, ça n'a pas de prix. One, two, three, le tri, ça n'a pas de prix. One, two, three, le tri, ça n'a pas de prix. Wouh!